tout de suite. Tu te calmes. Sécurité. Sécurité, attrape-le. Plus qu'à 5 minutes. Et la foule est en délire. J'espère que tu as pas de maladie avec les carottes pendant tout le festival. Parce que là, allons enfants de la patrie, un jour de gloire. Combien de temps? Moi non plus, moi j'essaie de garder ma voix. Là, ça va être demain, après-demain, il y a un saut. Plus qu'à 3 minutes. J'ai une question, tu fais comment pour attacher tes campocales après? Une marine humaine. Plus qu'à 2 minutes. Non, c'est à 14h. J'ai l'impression qu'ils ont pas intérêt à ouvrir en retard. Non, mais le pire, c'est qu'à 14h. Va charger. Je pense qu'il faut comprendre. Est-ce que tu crois qu'il ne faut pas ouvrir à l'heure, je pense. Ils sont pas prêts là. T'inquiète. Si, ça va. On va charger du jus. Plus qu'une minute. Là il est 59. T'as dit ouais. 30 secondes. Attention. Préparez-vous. 20 secondes. À l'assaut. À la soupe. Pour Sion. 20 secondes. 10, 9, 8, 7.
J'adore tes bruits sans doute. Ouais, avant, on va encore. Ils sont en retard. Une minute. Bah non, t'es malade. J'ai pas envie d'avoir de problème. Oh, chaque minute de retard, un an de remboursé. Pourquoi vous empêchez de passer? Oh, le salaud, il va taper dessus tout de suite. Allez, 5 secondes de retard, ça coûte cher. Je t'emmerde. 10 secondes. Voilà, voilà. Connard. J'ai fait. Voilà. Arrêtez de vous musculer, s'il vous plaît, là. Il y a ma tête qui se barre. Thank you.
au départ du premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, là, il y a eu un ordre qui a été donné donc, pour les gens de passer. Et en fait, c'était encore fermé. Donc en fait, les tickets, on ne pouvait pas, ils ne pouvaient pas les valider. Donc il a fallu attendre. Là, ils ont scanné pour les premières personnes. Ils ont validé les tickets. Donc là, c'est officiel. Nous, on doit attendre l'ouverture officielle pour que nous, on puisse y aller. Sinon, les autres, bah, ils devront valider leur ticket normalement avec l'espèce de beeper. Le souci, c'est que là, les premiums, ils commencent à avoir des dédicaces. Voilà. Ah ouais, non, mais je sais. Il y a un petit souci. Alors, comme ils disent, ouais, c'est un faux départ du premier jour. Mais bon, un faux départ comme ça, ça coûte cher. Quoi. Bah, ça coûte une dédicace, quoi. Ça coûte, voilà, ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Hamta ! Hamta ! Dors. Hamta. Et donc, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage que c'est ce faux départ, parce que là, les premiums, ils ont un coup d'avance, quoi, les premiums. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est, pour le coup, on est un peu pénalisé et on sait pas trop ce qui se passe. Bah, les premiums, ils rentrent avant nous, donc oui, les premiums, ils font la queue, et nous, quand on compte des cons, on attend. Quoi. Oui, voilà, c'est ça. On attend leur soi-disant ouverture officielle. Officielle pour les gens qui n'ont pas de passe premium, quoi. Voilà, c'est ça. Nous-mêmes, normalement, c'est ouvert à 13h, là, il est 13h10. Les premiums rentrent avant nous. Oui, les premiums sont déjà rentrés, je crois, vers midi et quelques. Ouais, c'est ça. Nous, c'était 13h. Là, il est 13h10. On nous empêche complètement d'arriver. Bah, c'est pas pire qu'une fois, je me rappelle, une année, ils avaient eu au moins 2 heures de retard pour là, nous faire rentrer. De toute manière, là, on l'a. C'était génial. On va accéder aux dédicaces. Là, voilà, c'est ça, en fait. C'est un peu compliqué quand on attend 10 minutes. On a fait passer. Là, il y a une. Ah, c'est parti. Oh là, putain, ça commence à. Ah allez, bon, bah, bonne Japan, hein. Enfin, c'est bon. Libéré ! Un petit peu les gens. Ah, j'ai plus de bois. Je connais quelqu'un qui en a profité là. C'est sûr. Qui est parti. On remercie encore la Japan Expo pour leur organisation totalement pourrie. Voilà, c'est fait. C'est bien votre 15e anniversaire. Vivant la 20e. Vivement la ouette, la 20e, oui. Ouais, mais. Ah!
au même place. Ah, il y a un plan de l'autre côté. Ça fait bizarre hein, quand il n'y a pas de clinique. C'est clair.